Ok, ça je m'en fous. Je peux setup une pioche. Donc j'ai le bon pour essayer de me placer bien dès le début. Si je bond ici, ça passe. C'est peut-être le mieux. Encore une fois, je casse un combo, mais voilà. Alors, même principe qu'avant, là, si je veux invoquer, non, je peux faire, je peux invoquer direct. Donc là, j'ai 5. Je peux faire 2 geysers, puisque je peux jouer tout ça et ça. Ah non, j'ai pas assez de spell feu. Donc je fais juste 2 et 2, et je garde ma réserve. Hello, Evan. De toute façon, ça sert à rien que je fasse trop de geysers, je suis encore full life donc. Là, c'est juste pour les dégâts que je le fais. Ok. Et je vais même faire ça. Pas qu'il regagne trop d'armure. Les trois devraient pouvoir venir à mon corps à corps là. Ah, bon. Ouf, mais décidément. Eh ben écoute, je peux pas faire proc de geyser et tant mieux. Parce que j'ai pas perdu de vie. Je peux voir même, ouais. Non, je vais juste faire ça dans le vide. Ou alors, je goussais, je consomme, je fais ça. Pour toujours ce setup un peu mieux. Gousser ici. Ok. Là, il a une main pleine. Si Gousset meurt, Gousset meurt. Je suis à 9 PA. J'ai le bon. Parce que là, ils vont me casser les reins. Viens ici, toi. Viens ici. Viens là, viens là. Eh non, il vient pas là. Bien sûr qu'il vient pas là. Alors, j'ai pas besoin du bon. Je peux venir à pied. Me mettre là. Et donc là, faut que je fasse proc. 8000 geysers. Je peux peut-être en faire 3, je pense, dans le tour. J'ai 4, 5 avec ça. Et ça, il me faut 5. J'aurais pas assez de spell feu. Ah, c'est le problème d'avoir retiré un spell feu. Là, normalement, c'était le masser à la place et... Donc je fais juste ça et ça et prochain tour on avise. Je vais essayer de sortir le Gruffon. Non, je pourrais pas sur ce tour. Ou alors je consomme, je fais ça, Gruffon. Et je setup Geyser pour le prochain tour. Mais j'aime pas faire ça parce que du coup si j'ai besoin du bon en ouverture du prochain tour. Je sais qu'elle aurait plus de value ici, mais je veux pas qu'ils aillent de l'autre côté d'elle. Je veux vraiment que ça se joue autour de moi là. Voilà. Donc je peux piocher en ouverture ou je peux faire bon pioche. Voilà. J'ai des solutions pour le prochain tour. Et j'ai des PA. Ok, et là ils s'en bougent pas toi. Ok, lui ça me va. Donc là je vais essayer de ne plus du tout bouger. Voilà, ça c'est une belle main. Retourner pas loin de full life. Là j'ai 4. Je peux faire 3, 0, 2. Ah non, faut que je vais peut-être piocher pour voir ce que je sors. Voilà. Et là du coup je peux faire 3, 1. Parce que si je fais 3, 0, 2, j'aurai pas assez pour ça. 3, 1, je garde ça pour le tour d'après. Et je suis full life. Ça se passe pas trop mal pour l'instant.
Le bon, je vais le garder pour voilà, me barrer quand j'aurai commencé à faire des cailloux. Donc là, je fais un geyser que sur 3. C'est donc un petit geyser. Donc, je vais tranquillement jouer ça. Et ça. Je vais vraiment essayer de garder mes gros tours de geyser pour quand ils sont 4. Donc lui il va avancer là. Voilà. Et là je vais, même si j'ai perdu pas mal de vie. Alors j'ai pas de PA de réserve, c'est embêtant. Mais ça coûte. Ça coûte 1. Ça coûte 3, donc 4. Je peux faire 2 tours, puis pioche. Je pense que c'est le move. Eh ben non, je pourrais... Ah si, c'est bon, je pourrais piocher. Est-ce que j'invoque maintenant? Je suis pas sûr. Si j'invoque, ils vont se barrer à droite à gauche. J'ai une main pleine. Ça me permettrait de réduire le coût du bon. Ça peut être pas déconnant. J'ai envie de ne pas invoquer maintenant. J'ai un bouclier, j'ai une main pleine. Non, j'invoque pas maintenant. Voilà, petite esquive. Alors, j'ai 6. Je peux jouer ça. Je peux jouer ça. Même ça. Et je suis full HP, donc je vais pas invoquer maintenant. Enfin, le deck fonctionne. Boum! En fait, il y en a deux qui peuvent profiter de leur corps à corps, et j'ai pas envie de donner de la value à leur corps à corps. Je suis vraiment dans le setup idéal là. Par contre, quand il va falloir que je me barre avec le bon, parce qu'il y a les. Parce qu'il y a les cailloux, là, ce sera peut-être intéressant d'invoquer. Mais en attendant. Là j'ai 7, 8 avec ça, donc je vais faire un tour tranquille avec ça. Par contre j'ai perdu beaucoup de vie, donc ouais là je vais morfler. Mais ça va. Je pense que prochain tour, je peux leur mettre. Ben, eux ils vont mourir, donc il faudrait que j'arrive à faire un tour où je finis par le bon. Et là j'aurais peut-être besoin de la championne. Donc je sais plus. Mon geyser il fait un truc comme 60, je crois. Donc si je fais proc 2 geyser là. Ah j'en vais pas en faire proc 2. J'en ferai pas proc 2. Faut que je pioche. Là je pioche 5, donc non j'overdraw. Lui il va mourir. C'est une bonne chose déjà. Parce que le caillou là, il a pas d'impact.64 qui fait mon geyser. Donc lui il meurt au prochain geyser. Est-ce qu'il meurt à... À l'aura... merde. 28, donc il meurt pas à l'aura. Donc, je vais tuer personne. Là, si je fais un geyser, je tue les deux. Mais les cailloux, ils vont pas mourir, ils vont pas éclater sur le tour là. Donc, je fais ça. Ça, non, si ça se trouve, je peux tuer tout le monde là en fait. Enfin, en fait, je m'inquiète pour rien là. J'ai pas besoin de me barrer si je tue tout le monde dans le même tour. Donc là voilà, diamant chapitre 7. J'avais
70 levels de retard. Et c'est fini. C'est plié. Voilà. C'est plié.